Non, c'est pas un extraterrestre. J'ai pas besoin de t'expliquer là qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est les trucs de popularité quand on dit on est mentor d'artiste. OK, être mentor d'artiste ou mentor d'un élève, ça peut être un élève dans le domaine du commerce, ça peut être un élève dans le domaine de la santé, ça peut être un élève dans le domaine familial, ça peut être un artiste écrivain, un artiste peintre, un artiste audio musique, un artiste audio technique qu'on dit donc tout ce qui est filage, lumière, caméra, haut-parleur, speaker, ingénierie de son. Donc, on dit professeur, teacher, ou bien on dit aussi être mentor. Mentor, c'est pas tout à fait pareil, un mentor d'artiste, c'est comme être un gérant. Pas entre le gérant, puis on dit prendre sous son aile un artiste. T'sais, ça peut être en patin artistique, on voit souvent en patin artistique. Prendre sous son aile quelqu'un en patin artistique puis investir monétairement sur l'entraînement. Oui, il y en a des gens qui vont faire ça, OK? Il y a une ligne qu'il faut pas dépasser, qu'on dit attirer l'attention d'un mentor. Ça peut arriver, OK? Tu dois reconnaître, admettons, quelqu'un qui est en théâtre, à l'École internationale de théâtre à Québec, puis qui essaye d'attirer un petit peu l'attention en faisant des petits pas de danse, mais il faut pas que tu dépasses ta ligne, OK? C'est sûr qu'ils savent ça, ben oui, ils savent ça. Sauf si sa fille est en compétition en patin artistique, ben oui, c'est ça, inquiète-toi pas, puis vous avez une très belle maison. J'ai rien à dire, la technique est même à 200%, OK? Au-delà de la moyenne internationale des humains, 200%, là, on dit, attends un petit peu, c'était quoi déjà? Te censurer. Non, il n'a pas censuré. Il était déjà vipère et vilaine, il a dû corriger. OK, ça ici, tu le dis pas, là. Il a pas censuré. Tu étais déjà vipère, vilaine, contaminée, puis convertie. Ça, c'est pas facile, là. Ramener un enfant qui a été converti, on verra. Là, on dit avec... ça sera pas long, ça sera pas long. Tu l'as-tu eu? Attends. Non, ça fait mal encore là. Ça fait pas effet là. Ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, j'ai beaucoup mal. Donc, hier, j'ai fait aussi du surtemps, puis j'ai fait une grande journée là. Beaucoup trop de contacts. Il y en avait beaucoup trop d'allumés encore. Il faut couper les vroom vroom. Trop d'auto, trop de vroom vroom, puis trop d'antennes, hein, puis trop d'électricité consommée. Hein. Il faut couper plus, faire plus d'efforts. OK? Il y en a encore beaucoup trop d'allumés pour rien. Hein? Si t'es pas là, ferme la télé. Il y a des gens qui font marcher leur télévision quand ils sont pas là. Il y a des gens qui ferment pas leur lumière. Ferme tes lumières. Au moins, juste quand tu pars, il y a un minimum. OK? Quand t'es pas là, ferme tes lumières. Descends le chauffage. Descends le chauffage. Ferme la télé. La télé est ouverte même quand t'es pas là. OK? Donc, il faut être beaucoup plus sévère puis dire ça, c'est ouvert pour rien. Tu dois le fermer quand t'es pas là, puis même le débrancher, OK? Parce que ton ordinateur, t'as débranche quand t'es pas là, OK? C'est à toi de calculer ton temps de batterie. Ton portable, débranche-le. C'est à toi de calculer ton temps de batterie, OK? Juste la petite lumière, c'est déjà trop. Ferme tous tes appareils quand t'es pas là, OK? Fait que... là, j'en reviens au sujet de base qui était, ici, j'étais rendue ici pour les visuels. Donc, on dit, non, il t'a pas censuré, OK? T'étais déjà convertie, vilaine, méchante. Il t'a pas censuré du tout, OK? Viens ici, toi. Viens ici, OK? C'est très difficile de ramener ça. Puis là, on dit, si tu as consulté des professionnels, là, tu as consulté des professionnels, OK? Ça t'a coûté extrêmement cher. Puis, non, je suis désolée. Ça, là, avant, là, puis il y a un film là-dessus, OK, qui a été fait par des médecins. Il y a des recherches par des médecins. Ceux-là, tu gardes ça à l'hôpital à naissance. On n'entend plus parler, c'est tout. Tu mets pas ça dans la société, là. Là, avec la légalisation du cannabis, là, t'as-tu fumé du cannabis enceinte?
OK? Déjà, fumer du tabac enceinte, c'est grave, là. C'est très grave, fumer du tabac enceinte, OK? Moi, là, je t'assure, quand je vois une femme enceinte fumer du tabac, là, j'aime vraiment pas ça, OK? OK? J'aime vraiment pas ça. Moi, une femme, là, qui... je suis plus sûre, là, parce qu'elle avait pas les cheveux frisés, là. Je sais pas si ça se met à friser d'un coup, là. Je commence à me poser des questions, OK? Moi, j'ai commencé à fumer, là, à 40... jamais j'ai pas fumé, moi. Je suis pas une fumeuse, OK? Je vais te dire pourquoi j'ai fumé, mais je te dirai sur une autre vidéo pourquoi j'ai commencé à fumer, OK? Parce que je suis donneur universel puis elle était en parfaite condition, OK? Ça existe. Allô, Daniel? Bon matin, c'est ma voisine. Daniel, elle sera pas là. Elle est en train de suivre un entraînement, faire des vidéos pour des personnes âgées. Elle est bonne. Elle, je t'assure, à cet âge-là, une femme à cet âge-là, elle est bonne comme ça en informatique. Elle fait même de la mécanique. Hein, Daniel? Daniel a fait même de la mécanique informatique. Elle est capable de régler ses problèmes d'informatique toute seule. Fait que c'est super le livreur, OK? Où j'étais rendue, on dit. Donc, normalement, là, aurait fallu que la professionnelle dise ils vont aller dans un centre de. C'est des alcoolos fœtales, OK? Vous allez mettre vos filles dans un centre. Dans un centre, puis c'est l'État même qui paye, c'est même pas vous, c'est l'État qui paye, OK? Fait que tu peux poursuivre, tu peux la poursuivre au prix ou le poursuivre, tu peux le ou la poursuivre au prix qu'elle était payée, OK? Parce que c'est pas un défi de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, vas-tu réussir de quoi? Puis il y a la quantité aussi, puis faut que tu le dises, OK? Des fois, ça peut arriver, quelqu'un dise, dans l'exemple, OK, je voulais me faire avorter, j'étais sûre, là, qu'il est arrivé une saleté, ça peut arriver avec les hormones enceintes, OK? Je vais te donner un exemple. La femme est enceinte de 3 mois. Elle reçoit des enfants sur son texto, des appels de calunard, des photos, puis oh non, non, sur son conjoint, non, non, je me fais avorter, je veux plus rien savoir de cet homme-là. Mais tout ça, c'est du calunard, OK? On décroche, on s'en va à Charlevoix, puis on dit, c'est une Nadine, hein, Nadine, si tu brises Nadine, là, elle va se suicider à petit feu, OK? Briser une Nadine, elle va se suicider à petit feu, parce que faut pas trahir une Nadine, OK? C'est très grave trahir une Nadine, OK? Quand on dit se suicider à petit feu, ça peut être juste quelqu'un qui fume la cigarette et déjà dans un processus de suicide à petit feu. Oui. OK, il y a un stress, il y a un malheur, t'as été cassé. T'as été cassé, trahi quelque part. Mais des fois, c'est de la maladresse, là. C'est pour ça qu'on dit juste la cigarette, juste fumer enceinte, OK? C'est déjà très grave. Prendre de la boisson enceinte, c'est très, très grave. Prendre de la drogue enceinte, c'est criminel, OK? Consommer des médicaments enceinte, c'est assez grave aussi, OK? C'est très grave. C'est pour ça qu'on dit, je vais en acheter des roses ou des blanches. C'est pour ça qu'on dit, il faut tout dire, OK? Dans l'exemple, l'exemple que je disais, là, un peu bizarre, la fille est sûre que son conjoint la trompe, elle est enceinte de 3 mois, à part tout et sa galère, je vais aller me faire avorter, elle prend de la coke, elle prend de la boisson, elle est solide pétée, là, OK, pendant une semaine, pour là, son conjoint, il la retrouve, qu'est-ce qui se passe, là, il faut tout dire, OK, c'était tout du calunard, elle a super bon conjoint, elle a été manipulée, dans l'exemple, c'est une histoire, OK, cet enfant-là qui va naître, là, il faut que tu le dises, là, au docteur, là, OK, j'ai pris de la cocaïne dans l'exemple, OK, t'arrives, là, on sait, là, il existe toutes sortes d'affaires, sauf, arrête le défi médical, là, du bébé, là, qui va coûter 5 millions, oui, jusqu'à 5 millions, là, puis plus que ça, parce que ça va faire, ça, OK, il n'a plus de ça, tiens sur le fil,
OK? C'est assez, là. L'argent des contribuables, là, c'est pas raciste, là. Il n'y a pas de propos racistes. Cherche pas une lettre noire ou rouge à encercler, là, ou elle veut attaquer quelque chose, ou elle fait ça un message. N'a pas, là. Arrête, OK? Fait que c'est là qu'on dit, dans l'exemple, qu'est-ce que je disais, donc? C'est pas un défi médical, là. C'est l'argent des contribuables. À ce rythme-là, c'est calculé déjà. Il est trop tard. OK? Il est vraiment trop tard. Fait que, oui, tu peux poursuivre, genre, une psychologue, OK? Que tu apprends. Tu dis, pardon, mes enfants, c'est des alcoolos, fœtales, médicaments, de toutes sortes d'affaires. Je peux pas avoir de la misère, puis payer des orthopédagogues, ortho-ci, ortho-ça. Puis le psychiatre ou le psychologue que tu as vu, tu y comptes toute ta vie, puis il t'a pas dit, oui, tu peux le poursuivre. OK? C'est pas si fort que ça, là. Faut faire bien attention, là. Surtout chez la femme, la grosse liseuse, ça peut être facile d'avoir des diplômes, OK? Fait que, c'est comique, hein? C'est quoi, ça? Ah, c'est la main qui est ici, là, mais elle fait ça, là. Bon. Respire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour moi, non, ben non, j'ai jamais consommé de... Ça, c'est épouvantable. Tu connais pas Chantal Robert. J'ai pas fumé enceinte. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Surtout pas enceinte. J'ai jamais pris de médicaments non plus enceinte. J'ai déjà pris de la médication suite à un gros accident, OK? Maintenant, j'ai des séquelles. Je vis dans la douleur pour la vie. Je vais vivre dans la douleur toute ma vie physique. Et puis, tu te dépêches parce que je t'avais dit... On continue. Ouais, je les utilise parce qu'il y a un plan super. C'est des bons voleurs. Ils ont trouvé son cellulaire. Bon, puis il n'y a plus de batterie. C'est pas chaud. Fait que c'est pareil, si on fait pareil, il imite, lui, il apprend par imitation, OK? Il fait juste pareil, il apprend par imitation, c'est tout. Fait que je prends ces trucs, il y a des drôles de trucs, je l'adore, il y a des bons trucs, je prends ces trucs, OK? Parce que j'en ai besoin, là, il existe d'autres choses pour ça. On lâche pas, passer une belle journée. Il y avait un sujet que je devais closer la vidéo, hein? C'était quoi? Dans mon personnel à moi, dans mon personnel, à moi, non, il n'aura plus de bébé, OK, parce que je suis plus menstruée, je suis complètement ménopausée et brûlée par le stérilet Mirena aussi. Donc, c'était la dernière lune. Puis je les ai perdues. Fait que je veux savoir qui a mis quoi, puis quoi t'as mis, puis qui. Ça va te coûter cher en sacrement.